Bonjour à tous. Avant de commencer cette vidéo, j'aurais aimé parler d'un sujet qui me tient à cœur à l'heure d'aujourd'hui et pour défendre une personne qui a été salie, on va dire gratuitement. Donc je tenais à m'excuser pour le refuge qui a été, comment dire, qui a été touché par la vidéo qu'on a faite sur le refuge de l'enfer. Donc je tiens à donner mes excuses auprès du refuge El Rancho Les Canailles et plus particulièrement à Sylvie, parce que c'est vrai que à cause de cette vidéo, elle a eu du mal à replacer ses chiens. Je ne peux pas croire que j'ai fait exprès de faire cette vidéo et fait exprès de discréditer cette personne, car les messages qu'on recevait, les photos qu'on recevait de cadavres, tout ça, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, c'était des cadavres de chèvres qui ont été empoisonnés sur son terrain. Et à mon avis, c'est sûrement un voisin à elle qui nous a contactés, qui nous a poussés à faire cette vidéo. Je tiens à m'excuser auprès de Sylvie. Sache que nous sommes prêts à t'aider pour si tu as envie d'ouvrir un refuge, ou si un jour tu dois sortir les chiens ou trouver des familles d'accueil, tout ça. On peut t'aider. Je pense qu'il vaut mieux qu'on marche main dans la main et ensemble dans ce combat, étant donné qu'on a le même. Ce qu'on voulait, c'est sortir les animaux de là. Mais le problème, c'est que on a été mal informés et que les signalements qui avaient été effectués et les photos ne correspondaient pas à des cadavres de chiens ou autres. Les animaux étaient en bonne santé. On a plus agi dans l'urgence qu'autre chose. Donc Sylvie, si tu regardes cette vidéo, je m'en excuse et voilà. Donc si on peut faire quelque chose pour toi, on n'hésitera pas à le faire. En attendant, je vous laisse regarder la vidéo qui suit juste après. C'est un sauvetage animalier. Donc bonne vidéo à tous. Ciao. Salut Internet, c'est Kamof. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant un acte de maltraitance sur un bulldog français. On s'est rendu sur place pour voir si les faits qu'on nous disait étaient réels ou pas. Malheureusement, on s'est rendu compte que certaines choses n'allaient pas. Je vous invite à regarder cette vidéo dans son intégralité. On a une fois de plus risqué notre vie pour sauver la vie d'un animal. N'hésitez pas à regarder la vidéo dans son intégralité. On se retrouve à la fin pour une conclusion. Et pour les casquettes, les t-shirts, etc. La panoplie Kamov, c'est www.futuratech.com. On se retrouve à la conclusion. Ciao. Donc on est arrivé sur les lieux qu'on nous a signalé sur notre page Facebook. On voit le chien. On a regardé. On voit le chien attaché à un petit, par le cou. Il a même pas de laisse. Il est attaché sur un poteau bizarre. On va voir un peu. On attend juste quelques temps voir si la personne ne vient, parce qu'il n'y a pas de gamelle, il n'y a rien. Et on veut juste voir s'il y a maltraitance ou pas, si c'est vraiment réel. Déjà, le chien est attaché de façon bizarre. Nous, on nous a dit que le chien était battu, donc on va attendre un peu de voir si le maître sort. Et effectivement, s'il sort et qu'il se passe quoi que ce soit, on interviendra dessus. Donc on va rester un peu là, on va attendre, et puis si on entend quelque chose de bizarre, eh ben, on interviendra, on escaladera le portail et on va essayer de ne pas avoir contact avec la personne. Comme ça, il n'y a pas de problème, on prend le chien, on le sauve comme on fait d'habitude et on s'en va. Voilà, donc là on attend un peu Alex et on voit ce que ça dit. Eh, frérot, il fait froid en plus, putain. Il fait froid en gros, il gèle. Wesh. Question. Je sais pas, j'entends le bruit, je connais. Le voisin. Tu filmes? Ouais. Bientôt il fait nuit, frère. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Encore? Ça va encore? Putain, je vais te vendre, hein. Putain, vas-y. Continue, vas-y, tu dors ici, s'il te plaît. Tu dors ici. Vas-y, tu dois rester. Hein? Cul les deux chiens. Cul les deux chiens. Déjà, première chose, je vais aller pisser, sinon je vais me pisser dessus. Deuxième chose, on attend qu'il rentre chez lui, le mec. Ok, on attend qu'il rentre. Tiens, t'as vu la porte se fermer? Vas-y, il est rentré. Je vais pisser, j'escalade, je prends le chien, on s'arrache, d'accord? Et tu vas avoir besoin de ton aide, tu vas avoir besoin de ton aide. Quand je prends le chien, je vais le faire passer par-dessus. D'accord? Essaye de. Je sais pas, y a une boîte aux lettres, tu essaies de le poser là. Hein? J'y vais en deux, s'il y a quoi que ce soit, frère, cherche pas à comprendre, tu cavales. Ok. Ok? À de suite, je fais vite. Ok? Continue à filmer, t'arrêtes pas, aucun prétexte, ok?
cavale, cavale. Vas-y, vite. Vite, vite. Le mec il a tiré, frère. Bon, style. Arrête, il nous fera après. Voilà les gars, donc on se retrouve à la fin de cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, on a réussi à sortir ce petit bulldog français des mains de son propriétaire qui apparemment le battait sans arrêt. Mais on va quand même le mener au vétérinaire pour voir s'il a rien eu de cassé. Je pense qu'il essaye un peu de me monter, regarde son échec. Il essaye de me monter, donc il est tellement content, je pense que... C'est bon, stop. C'est bon, je me fais sauter par un chien, c'est cool. Je vous invite à aller sur www.futuratech.com pour vous habiller et porter notre marque, hein. Voilà, nos pulls, nos t-shirts, tout ça, nos casquettes, les bonnets aussi. Et sachez que le propriétaire, il y aura une plainte de déposer contre lui, évidemment, parce qu'on a toutes les preuves. Et il faudrait que cette personne-là soit interdite de d'avoir d'autres animaux. Voilà, mais en tout cas, je ne comprends pas comment on peut faire du mal à une bête comme ça, quand on voit le résultat et comme elles sont gentilles, tout ça. Donc je ne comprends pas. Surtout que lui, ça a l'air de... C'est vrai qu'il est un peu casse-couille quand même, hein. Il est énervant. Et vous voyez, il a même pas été castré, ce chien. On finit la vidéo comme ça. Je vous embrasse, il vous embrasse aussi. Merci à tous de nous suivre. Et pour nous suivre davantage et être en avance surtout, n'hésitez pas à nous rajouter sur Snapchat. C'est Camoff, C-A-M-O-F-F. Vous êtes plus de 4000 à nous suivre sur le réseau. Donc n'hésitez pas à être plus nombreux et à suivre nos activités. À mercredi prochain, 18h, pour une nouvelle vidéo sur la page. Ciao l'équipe.